Voilà. Donc, je m'appelle Adrien Méfort, je travaille chez Claranet. Et on va dire, comme aujourd'hui c'est journée DevOps, que je suis ingénieur DevOps, ça va être très bien. Donc, pourquoi ce stack? Donc, parce que j'avais besoin d'une solution de gestion de conf rapide. J'avais besoin aussi d'orchestration. Donc, bon, j'avais une expérience sur Fabric, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus récent, un petit peu plus actif, on va dire. Et surtout, parce que tout le monde utilise Ansible, j'ai beaucoup entendu Ansible ce matin, et voilà, j'ai un fort esprit de contradiction, donc j'avais envie d'utiliser ce que personne n'utilise, en tout cas dans mon entourage technique. Donc, SoulStack, en fait, c'est pas si récent que ça, hein. Ça date de 2011, la première release. C'est implémenté en Python, presque Python 3, mais il y a 2-3 dépendances qui font que c'est pas le cas actuellement, malheureusement. Et c'est développé principalement par la société éponyme SoulStack, qui se situe à Salt Lake City pour bien faire les choses. Et eux, leur business model, c'est de fournir du service à de très grosses boîtes. Donc depuis récemment, il y a une version Enterprise, et puis ils font aussi évidemment les certifs et tout ce qui va avec. Donc eux, leurs clients, j'ai l'impression que c'est plus des choses comme EMC, LinkedIn ou IBM. Donc c'est gros comptes qui font pas forcément énormément de comptes de communication sur Twitter, sur Salt. Donc on entend, enfin, j'ai l'impression qu'on n'entend pas très souvent parler de Salt de manière spontanée, en tout cas pas au point de ce que ça peut être pour Ansible par exemple. Donc, Salt propose plusieurs architectures. Donc, la plus simple, c'est une architecture masterless. Donc, on a juste un slave. Donc, en terminologie Salt, c'est un mignon qui est en standalone. Donc, on installe le paquet ou le package du mignon. On ne démarre pas le service. Et là, on utilise une commande qui s'appelle SaltCall avec une option locale. Et puis, on peut utiliser tous les états et toutes les tâches d'orchestration Salt directement sur une machine en local. Donc voilà, tout fonctionne, presque tout. C'est sympa pour faire des tests ou pour déployer des AMI par exemple, pour Amazon. Bon, voilà, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà, j'ai perdu la main. Le cœur de Salt, c'est vraiment une architecture master-slave, donc un petit peu plus comme ce qu'on trouve dans Puppet, contrairement à Ansible, avec un ou plusieurs masters et N millions. Donc le but de Salt, c'est éventuellement d'arriver à plusieurs milliers de millions avec un seul master, sans vraiment le ressentir sur des machines pas spécialement puissantes pour les masters. C'est vraiment ça le but. Ça fonctionne en utilisant un bus, enfin deux bus 0MQ, donc un bus de publication. Donc le master envoie des messages à tous ses mignons, c'est envoyé à tout le monde, donc envoyez-moi à tous un ping par exemple, ou allez tous taper sur tel serveur sur internet et faites un DDoS par exemple. Et les mignons, une fois qu'ils ont exécuté les jobs, renvoie le résultat de leur job sur un deuxième bus, donc c'est un bus de return. Donc tout ça c'est authentifié par clé privée, clé publique, et les bus sont chiffrés eux-mêmes avec des clés partagées à ES. Elles peuvent être partagées entre tout le monde ou spécifiques, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc ça se fait avec la commande salt depuis un master, donc c'est une commande tout. Le master hein, c'est que sous Linux. Hein. Donc voilà, c'est une commande sous bash, hein, enfin en ligne de commande. Et puis bah, il y a de la disponibilité, donc achat, sur ce type d'architecture. On peut avoir soit plusieurs masters en actif-actif, donc n'importe quel master peut parler à tous les millions du cluster, ou on peut avoir du failover tout simplement. Donc c'est déjà un bon point. Enfin, c'est un peu l'intérêt, un des intérêts d'utiliser cette solution avec un master. Donc voilà, superbe schéma. C'est surtout pour montrer que les mignons qui se trouvent en bas ici initient la connexion au bus 0MQ. Hein. Les connexions se font pas du master vers les mignons, mais bien des mignons vers les masters.
Donc ensuite, et ça c'est plus récent, et je pense que c'est aussi pour faire un peu de concurrence à Antibal, on a Soul TSSH. Donc là on a pareil un ou plusieurs masters, mais en fait on s'en moque un petit peu vu qu'il n'y a pas de connexion continue. Et donc les connexions s'effectuent du master vers les minions, cette fois-ci en SSH. Donc on a un référentiel de minions, ils appellent ça le roster, en gros c'est un fichier YAML dans lequel on a la liste de toutes les machines sur lesquelles on peut aller taper. Donc il faut quand même maintenir ce fichier, bon voilà, c'est un petit peu moins marrant quand même. Ça se fait avec une commande qui s'appelle soltssh. On a quasiment toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans cette version SSH, mais parfois il y a de petits retards. Par exemple, le chiffrement des données avant de les envoyer aux minions, enfin, conserver des données chiffrées sur le master et les chiffrer seulement quand on les envoie sur le minion, actuellement c'est pas implémenté. Bon, on est en SSH, c'est peut-être moins grave. Voilà. Donc voilà, pas sauf SSH, hein. Le master se connecte sur toutes les minions et c'est bien lui, sur tous les minions et c'est bien lui qui initie la connexion. Sur une partie, donc là on a fait un peu le tour des trois grands types d'architecture SOLT. Sur la partie déploiement, il y a un outil qui s'appelle SoultClone, qui est assez sympa, qui utilise les API des différents providers, donc Amazon, Azure, Google et compagnie. Qui utilise SoltSSH ensuite pour se connecter aux machines qui ont été instanciées chez ces providers, et finalement qui met en place une archive master-slave sur les machines qui viennent d'être lancées. Donc, ah oui, j'ai dit n'importe quoi, c'est commande Solt-Cloud. Bon, et ça marche, mais c'est pas encore complet, par exemple, on peut pas. Chez Amazon, déployer un master en même temps que les minions. Donc voilà, c'est comme beaucoup de choses sur Salt, ça marche bien, mais il y a des petits trucs à régler. Donc voilà, appel à l'API en 1, instantiation de la machine, connexion en Salt SSH pour installer Salt, et puis finalement, le minion se connecte au master sur le bus 0MQ et ça fonctionne. Donc, vu que je vous ai parlé de SoftLoad, je vais vous montrer que ça marche. Donc, alors, c'est pas pratique comme ça, mais je vais faire sur le micro. Vous m'entendez ? Oui. Cool. À vrai dire, je suis plus à l'aise sans le micro, ça vous va ? Oui. Cool. Donc, alors, donc ici, j'ai une instance que j'ai appelée master sur EC2. Ici, je suis sur ma machine. Donc, j'ai un nœud de mémoire quand même. Oups. Non, c'est pas là que je voulais être. Voilà. Et je vais lancer des commandes. Donc, j'ai ma machine là est un master salt configuré en salt SSH. J'ai créé un état qui va me permettre de déployer un autre master sur EC2. Donc, vous allez voir, c'est assez simple, hein. Je vais appeler ce qu'on appelle le high state. Donc le high state en salt, c'est appliquer tous les états qu'on a définis pour une machine. Donc je vais vous montrer la commande, c'est pas extraordinaire. Hein. Donc ici, bon, il faut que je lance en route. Je me connecte à une machine qui s'appelle master. Donc c'est le master qui est en train de lire. Je mets ma clé privée évidemment pour me connecter à des machines EC2. Et puis je lance un state high state. Donc là, ça va appliquer sur un état sur une machine en SSH. Bon, on rentrera peut-être pas dans le détail de cet état-là, mais bon, je lance. Donc là, il me demande mon mot de passe, évidemment. Donc voilà, alors là, sur le SSH, il manque un peu de feedback. Il y a moyen d'en avoir. Par défaut, là, il va tout faire. Il est en train de calculer tous les états et de les envoyer sur le master. Et puis ça dépend aussi de ces deux, hein, mes instances tiny, à chaque fois que je teste, ça met pas le même temps à répondre. Donc bon, on va croiser les doigts, mais je l'ai fait au moins 4 fois, ça a marché à chaque fois. Tout d'un coup, on va avoir le résultat de mon exécution. Tu peux en profiter pour expliquer les états en fait. Alors, je vais évidemment après faire tout un passage sur les états. Bon là, ouais, ça va me faire avancer un petit peu, sinon. Éventuellement, bon,
En gros, state, ça fait... State, c'est un module. Si, on va décortiquer la commande. State, c'est un module. IState, c'est une fonction du module. IState, c'est vraiment... Ah bah voilà, ça a marché. Donc là, voilà, c'est un peu énorme pour que vous puissiez lire, mais... En gros, j'ai eu 11 changements sur le master, et il y en a 11 qui ont marché. Alors, je vais passer un petit peu vite, hein, parce qu'il y a une clé privée pour le C2 et tout, c'est pas super si vous la voyez. Mais bon, il a installé des trucs, là c'est par exemple c'est les paquets Python qui ont été installés. On bon. Fera pause sur la vidéo. C'est ça, exactement. Donc bon, voilà. Là, c'est bon, j'ai un master Salt qui est en place sur mon instance EC2. Donc ça, c'est cool. Donc, maintenant qu'il a été bootstrappé et tout, je vais m'y connecter. Et puis ensuite, on va reprendre la présentation sur les states. Et on pourra se servir de ce master pour faire des démos. Donc, que je me connecte dessus. Alors normalement... J'avais noté son IP public. On va la récupérer, c'est pas grave. Voilà. Non. Voilà. Est-ce que c'était déjà celui-là? J'en sais rien. Ouais. Donc voilà, bah, je suis sur mon master. Et puis bon, j'ai aussi installé un minion en même temps. Donc on... Voilà, dans une archi... Master Slave, ça fonctionne avec des clés qui sont les mêmes que des clés RSA en fait, comme pour SSH. Il y a une commande qui s'appelle Salt Key. Je vais passer en route sinon ça va pas marcher. Donc, il y a une commande qui s'appelle Salt Key. Et là on peut voir que le master a aussi un minion qui a essayé de s'authentifier dessus. Donc tant que moi j'ai pas accepté le minion local, je pourrais rien lui envoyer. Donc bah, je vais l'accepter. Hein. Donc voilà. Et voilà. Donc là, voilà, c'est enregistré sur lui-même. Donc ensuite, on va passer sur les modules d'exécution et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, retour sur la présentation. Donc SaltCloud, ça c'est fait, c'est cool. Donc, les modules d'exécution. Donc Salt fonctionne au niveau, on va dire, le premier niveau sur lequel il vaut mieux se concentrer dans la documentation plutôt que les états, c'est les modules d'exécution. Donc c'est des modules Python, qui sont assez simples. Hein. Il y a 2-3 décorateurs spécifiques à Salt qu'on peut mettre dedans. Mais en gros, ils prennent des paramètres, ils exécutent des choses, ils renvoient une sortie. Bon, rien de trop compliqué. Il y a des modules virtuels qui permettent de la portabilité. Par exemple, on a un module PKG. Bah évidemment, il va pas appeler la même chose sur une Red Hat ou sur une Debian. Donc le module PKG, en fait, c'est un module virtuel qui pointe vers le module apt-pkg ou yum-pkg, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on assure la portabilité sur des modules. L'implémentation de nouveaux modules est plutôt simple, si on s'y connaît un petit peu en Python. Évidemment, je pense qu'on peut faire plein de wrappers et tout, faire dans d'autres langages, mais c'est mieux de rester en Python parce qu'on a tous les outils intégrés dans Salt. Et il y a de nombreux modules existants, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais bon, on peut toucher aux fichiers, aux paquets, à la conf réseau, enfin voilà, tout ce qu'on attend en fait d'un outil d'orchestration. Exemple d'appel, donc en fait le module d'état que j'ai appelé tout à l'heure, c'est aussi un module. Appliquer un état, c'est faire une exécution en fait. Donc ici, j'ai un exemple, salt étoile test ping. Donc on va le tester, hein. Donc salt, la commande, étoile, ça veut dire tous les minions connectés, et puis bah, j'ai un module de test, dedans il y a une fonction qui s'appelle ping. Bon bah c'est cool, ça fonctionne. Ce qui est plutôt positif. Alors, donc voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc le bon côté de ces modules, c'est que là on a vu, j'ai un retour dans une sorte de pseudo YAML qui est sympa pour les humains. Mais on peut utiliser avec ces modules des outputters. Donc c'est des modules de sortie pour les modules d'exécution. Et il y a différents formats salt par défaut, donc iState, c'est les retours que j'ai là, que j'ai eu au tout début, hein, iState, c'est vraiment le format pour voir que tous les états ont bien été appliqués. Il y en a plein d'autres, voilà, il y a l'overset stage, qui s'y intéresse pas trop. Par contre, il y a des formats généralistes. Donc plutôt que d'avoir un format de sortie en pseudo-YAML, il va avoir du JSON. Donc voilà, si vous voulez faire un traitement direct dessus en copiant-collant le truc ou en mettant dans un pipe, c'est possible. C'est sympa.
Mais, ah bah tiens, d'ailleurs, on va tester ça, alors, bon, ouais. C'est pas grave, non. On va le tester. On va faire plus intéressant, je vais pas perdre du temps à faire ça, on va faire vachement plus intéressant. Parce qu'il y a des returners, donc c'est sympa d'avoir le résultat dans un format en JSON, par exemple, et de faire toute sa moulinette soi-même. Mais ce qui est encore plus sympa, c'est que plutôt que d'avoir un retour seulement sur le master, avoir un retour sur d'autres sorties. Et ces autres sorties, ça peut être des choses comme Elasticsearch, Cassandra, Postgre, Graphite. Enfin, il y a énormément, il y a une bonne vingtaine ou douzaine de modules qui existent déjà. Ils sont cumulables, ça veut dire que vous pouvez envoyer une sortie sur Graphite et sur Elasticsearch en même temps, c'est pas un problème. Et, bon là je l'ai pas écrit, mais ça peut être par action. Par exemple, tel type d'action vont utiliser tel returner, tels events vont utiliser tel autre returner. Donc c'est assez sympa, et en interactif, bah, c'est avec une option qui s'appelle --return, et là par exemple Elasticsearch. Je vais faire une démo après de ça. Donc bon voilà, ça se passe juste comme ça. Il y a un publish sur le bus de messages publish, et les millions renvoient directement dans une base. Le retour des commandes. Donc voilà, maintenant que j'ai fait les modules d'exécution, on va pouvoir se pencher sur les modules d'état. Donc, alors, les modules d'état, enfin, les états en eux-mêmes, on va voir, il n'y a qu'un seul module d'état en fait, c'est state. Hein. Mais les états en eux-mêmes sont partagés entre tous les millions du cluster. Ça veut dire que si vous avez un état qui définit comment doit être un serveur web, tout le monde sur le cluster peut savoir quel est cet état. C'est pas comme dans Puppet où telle machine aura tel état, mais les autres machines d'un autre client vont pas les voir. Là, c'est vraiment un serveur web, c'est un serveur web, tout le monde sait ce que c'est. Par défaut, c'est des fichiers YAML avec du templating Jinja. Donc voilà, vous dites, mon fichier texte, c'est un fichier texte, et il doit avoir tel user. Si vous voulez faire 20 fichiers texte, vous pouvez faire une loop dans Jinja. Après, si vous avez des besoins un petit peu plus avancés, il y a moyen de les écrire en Python, et si vous préférez du JSON, vous pouvez faire du JSON, vous pouvez utiliser du Mako au lieu de faire du templating Jinja, c'est pas un problème. Donc voilà, il y a un format standard qui est YAML plus Jinja, si vous voulez faire des boucles en Python plutôt qu'en Jinja, vous pouvez le faire. Par défaut, c'est dans SRB Salt en fait, voilà, sur le système de fichiers, mais il y a d'autres possibilités comme directement aller taper dans des dépôts Git et tout fusionner, comme si c'était un FS virtuel. Quoi. Ça fonctionne, ça bourrine un peu sur les repos Git quand même. Moi j'ai arrêté de le faire. Et tout ça, c'est basé sur des modules d'exécution. Donc en fait, quand vous définissez un état sur un fichier, dans les faits, ce qui va être fait, c'est que on va appeler un module d'exécution avec les bons paramètres pour définir votre fichier. Donc tout ce que vous faites en interactif est reproductible en état, et inversement, c'est un peu ça l'intérêt. Donc quand on gère des états, on a un fichier qui... Alors, l'extension c'est SLS, pour Substack. On a un fichier top.sls, donc qui permet d'associer des états à des minions, donc éventuellement avec des environnements, donc prod, dev, et ainsi de suite. Je vais montrer à quoi ça ressemble après. Je vous montre juste maintenant, d'ailleurs. Mais en gros, pour ceux qui font du Puppet, c'est un peu comme ce qu'on peut faire avec Hira. C'est vraiment, tel minion va avoir tel état. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Si j'ai un éditeur de fichiers, si j'y arrive. Donc là, il faut se dire qu'on est dans les serveurs salt, et j'ai mon top.sls. Là, c'est machine que je n'ai pas instancié d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça, j'ai pas lancé SoundCloud en entier tout à l'heure, vous me l'avez pas dit. Donc j'ai mon environnement base, qui est l'environnement par défaut, ça pourrait être très prod ou prod, hein, ce serait pareil. Ici j'ai des minions, donc j'ai le master, minion 1, minion 2 qu'on a instancié tout à l'heure, je vais faire une démo complète. Et là, je définis des états, donc Elasticsearch Kibana pour installer un Elasticsearch ou un Kibana. Donc voilà, c'est assez simple, c'est du YAML tout bête. Et ensuite ici, dans l'arborescence,
si je vais voir Kibana, bah voilà. Ça, c'est l'état qui va être appliqué. Donc voilà à quoi ressemblent les états solves. C'est du YAML, quoi. C'est juste des paramètres pour des fonctions, en fait. Voilà. Donc on peut matcher sur les noms, hein, c'est ce qu'on a vu. Master, million 1, million 2, c'était leurs ID sous forme de nom. On peut matcher sur ce qu'on appelle les grains et les pillars. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir après ce que c'est. Et puis bon, il y a plein d'autres paramètres. Hein, mais en général, je match sur les noms. J'ai pas besoin de beaucoup plus compliqué pour l'instant. Dans les états, on peut avoir toutes les fonctionnalités habituelles d'un gestionnaire de configuration. Donc les dépendances entre les états, surcharger d'autres états, faire des états paramétriques, et faire des boucles, passer sur des items. Bon voilà, c'est pas... Donc je parlais de grains juste avant, c'est l'équivalent des fax sous Puppet. Donc quand le minion démarre, il génère tout un tas de grains. Donc c'est des données statiques du minion, c'est accessible depuis le master et ce minion-là, et ça s'appelle avec salt grains get. Donc par exemple là, grains get OS, si je suis sur Ubuntu, il va me renvoyer Ubuntu, quoi. C'est juste ça. Après, on pourra en voir quelques-uns dans les exemples. On a aussi les pillars. Donc tout à l'heure... Alors... C'est une arborescence qui est à côté des states, et c'est le même format, c'est du YAML avec du Jinja éventuellement. L'intérêt des pillars, c'est que tout à l'heure je vous ai dit que les états étaient partagés entre toutes les machines du cluster. Ça veut dire que vous voulez mettre un mot de passe pour un user Unix, si vous le mettez dans les states, tout le monde pourra le voir sur tout le cluster. C'est très mal. Donc, pour les données sensibles ou les données qui sont complètement variables d'une machine à une autre, on les met dans les pillars. C'est juste des associations de clés valeurs en YAML par rapport à des machines. Et ça passe par des bus 0MQ spécifiques qui sont chiffrés spécifiquement entre chaque master et chaque minion. Comme ça, les données ne passent pas ailleurs sur le réseau. Donc, c'est l'équivalent un peu de ce qu'on peut avoir avec IRA aussi sous Puppet. Il y a différents backends possibles, donc système de fichiers salt, dépôt git ou évidemment IRA. Du coup, donc voilà, pour mettre les mots de passe, ce genre de choses, c'est sympa. Donc là, je vais faire une démonstration de gestion de configuration, et puis on va aussi faire une démonstration de returner sous Elasticsearch. Et puis de toute manière, il faut que j'instancie mes minions, donc là, je suis obligé de tout vous faire parce que je me suis loupé dans ma première démo. Donc c'est pas trop grave. Alors, on va retourner sur le master. Voilà. Donc là, tout à l'heure, voilà, j'ai un master sur EC2, c'est super. J'ai déjà défini à l'avance des minions, 3 minions que je veux lancer. Pareil, on n'a pas forcément le temps de s'apesantir sur toute la syntaxe, mais en gros, là, je lance solcloud. -p, ça veut dire en parallèle, et je lui donne un fichier YAML dans lequel j'ai des minions, donc on va le regarder hein, pendant qu'il bosse. Donc voilà, là il appelle EC2 et compagnie. Ah oui, par contre, si je lui dis pas oui, ça va pas marcher. Voilà, donc là il est en train d'instancier des machines. Sur quoi il se base pour faire ça? Eh ben, c'est un fichier que je lui ai donné. Où est-ce que je l'ai posé? Je l'ai défini quelque part. Ah oui, il doit être là. Voilà. En fait, j'ai défini un profile qui s'appelle SaltDemo. Et je dis qu'à partir de ce profile, je vais instancier 3 machines. Si on monte un petit peu, on peut voir que mon profile, en fait, c'est juste, je définis un provider, donc dans... En l'occurrence, EC2. Et puis, avec un subnet ID, un security group. Si vous faites un peu d'AWS, vous voyez de quoi je parle. Mais bon, voilà, c'est du paramétrage pour AWS. Et si on regarde le provider, en fait, j'ai défini ici. Et c'est là qu'on commence à avoir des infos que j'ai pas envie de vous donner, genre mes clés d'API Amazon, en fait. Donc ça, quand j'ai instancié le master tout à l'heure, c'est des états qui ont été appliqués. Donc là, ces fichiers-là ont été appliqués, voilà, ici, voilà,
Cloud Profiles, Cloud Providers, Minions Map. Je les ai appliqués tout à l'heure en Salt SSH. Donc voilà, et c'est ça qui m'a permis de lancer direct Salt Cloud. Donc voilà, là, il est en train d'appliquer les scripts de déploiement. Donc là, s'il les génère à l'avance, c'est parce qu'il est en train de le faire en Salt SSH. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes pendant ce temps-là? Je sais pas, est-ce que... Il est fini, la Minion 1, Minion 2 et Minion 3. Ouais. Où est-ce que tu les as... Ça, en fait, ça fait... Ça veut dire créer des machines avec ces noms-là sur EC2, avec le template que je t'ai donné, en fait, tout simplement. Peut-être montrer des templates Ninja, parce que c'est vraiment pratique. Ouais, bah du coup là, en l'occurrence, mon profil de machine sur EC2, là en fait c'est un YAML avec du templating Ninja. Donc en gros là tout ce qui est entre crochets c'est du Ninja. Et là j'appelle une fonction spécifique à Salt qui permet de récupérer des données dans les pillars. Donc les pillars, c'est l'arborescence parallèle qui permet de stocker toutes les variables spécifiques que j'ai décrites tout à l'heure. Donc ici, on a bien les pillars. Évidemment, j'ai rien rempli parce que sinon, là, vous seriez en train de voir mes clés Amazon. Mais en gros, voilà un pillar. Donc c'est juste une arborescence de variables. Et dans mes états ou mes templates, j'appelle directement les variables. Donc soldemo ec2 subnetid. Soldemo. EC2, SubnetID. Donc tout ça est plutôt simple à gérer. Ce qui est bien, c'est que si vous donnez la main à des gens qui ne sont pas des développeurs Python là-dessus, c'est pas trop dur en fait de faire du YAML. Je trouve que c'est un petit peu plus accessible qu'une classe sous Puppet en fait. Parce que c'est très descriptif en fait. Je veux dire, etc salt minion, file manage, content, bon voilà, c'est le fichier, il est managé, et puis son contenu, c'était le truc. Et il a besoin du package saltmaster. C'est assez transparent, je trouve, dans la syntaxe, quand même. Puis bon, c'est assez simple à manipuler. Si vous voulez passer là-dessus avec un gros sed, ça marche. Sur les classes Puppet, je m'amuserais peut-être moins à le faire sans réfléchir. Alors, est-ce qu'il a fini? Oui! Donc là, on peut voir que j'ai eu un retour de toutes mes machines, de mes trois machines qui ont été instanciées. C'est passionnant. Je pourrais passer ça dans une moulinette. Et ici... Voilà, j'ai trois nouveaux minions. Et je vais lancer un ping. C'est super, ça marche. Donc voilà, c'était plutôt simple. Maintenant. Parce que ça, c'est bien, mais on veut faire plus intéressant. Je vais appliquer des états maintenant. Alors, je demande juste un instant. Voilà. Donc je vais faire un truc dans un premier temps, je vais utiliser une fonction d'exécution parce que bon là, pour que ce soit plus simple dans la suite de mes tests, j'ai envie de récupérer les adresses IP de mes machines. J'aurais pu demander les IP publics de chacune de mes machines directement à Amazon, mais j'ai envie de le faire en Salt. Donc là ce que je fais, c'est que j'appelle la commande curl sur une URL qui s'appelle IP echo qui refile juste l'adresse IP publique. Voilà, les adresses IP publiques de mes minions. Je vais me copier ça dans un coin, ça va m'aider pour la suite. Et ici, je vais faire pareil. Cette fois-ci, je vais utiliser un grain. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, j'ai expliqué que c'était comme des fax. Donc, c'est des données statiques qui sont renvoyées par les minions. Enfin, plus ou moins statiques, on peut les rafraîchir. Mais là, je vais demander à chacun de leurs minions leur grain IPv4, qui est censé contenir toutes leurs adresses IPv4. Donc voilà, j'ai bien les adresses IPv4 de mes minions. Donc déjà, pour récupérer des infos assez rapidement sur l'ensemble du parc, ça marche bien. Et je pourrais potentiellement écrire les miens, genre version d'OpenSSL. Donc voilà, j'ai mes IP. Donc ça va m'aider pour la suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Elasticsearch pour récupérer toutes les données de retour des minions. Donc pour ça, je vais mettre en place un peu l'infra. Donc, j'ai envie de récupérer les adresses IP. Je vais mettre l'Elasticsearch sur mon minion 1.
Donc j'aurais récupéré certainement comme ça l'adresse IP de mon minion 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une entrée dans le TCOS de chacune de mes machines qui fait référence au minion 1 et qui l'appelle Elasticsearch. Comme ça, ils pointeront tous vers une machine qui s'appelle Elasticsearch au moment de renvoyer leurs données, ça va être pratique. Alors dans la vraie vie, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais fait avec du DNS et tout, mais j'avais pas envie de faire avec des mots route 53. Donc. Voilà. Et là, Elasticsearch. Voilà, il y a une entrée dans le TCOS de chacune des machines avec Elasticsearch. Maintenant, je vais faire un setup de Elasticsearch sur minion 1. Évidemment, j'ai tout préparé à l'avance, hein, mais j'ai fait ça hier soir, donc c'est pas trop dur. Donc il va mettre un peu de temps, il y a des paquets à télécharger, et c'est toujours ça qui met du temps à péter get update. Donc là, on peut voir que j'appelle le module state et je fais un iState, donc appliquer tous les états référencés dans le top.sls pour la machine. Donc là, si on regarde dessus, APT sera 100% de CPU. Voilà. Donc il a, voilà, bah là on peut voir le service Elasticsearch est en train de tourner, hein, c'est écrit Elasticsearch service running true. Cool. Donc Elasticsearch c'est sympa, mais je veux aussi un Kibana. Là j'ai déjà défini à l'avance un état pour mon minion 2 avec du Kibana. Donc là je vais mettre un Kibana 4. Pareil, il va installer des paquets. Bon bah c'est allé vite. Voilà, le service Kibana tourne, tout va bien. Il y a besoin de deux lib Python, donc je vais faire cette fois-ci. Attention piège. J'appelle le module state et je lui dis SLS, ça veut dire que je lui donne directement un fichier d'état qu'il va devoir exécuter. On n'est pas obligé de définir un iState dans le top.sls pour un million. J'ai un état que j'ai appelé Elasticsearch libs, qui installe les libs Elasticsearch, il va le faire. Donc ça veut dire que derrière, il y a aussi un module d'exécution pip par défaut, ce qui est sympa pour les gens qui font du Python. Donc là, j'installe sur toutes mes machines parce que tout le monde va envoyer des infos à Elasticsearch. Voilà. Ouais, tout le monde n'a pas répondu, ceux qui ont déjà fait un apt-get update ont répondu d'abord parce que les autres sont encore en train de le faire. Voilà, fini. Donc j'ai toutes mes dépendances qui sont en place. Et là, je me dis, pour que ça marche bien, il faut que je redémarre tous mes minions. Le problème, c'est que si je dis aux minions de se redémarrer eux-mêmes, bah, ça va pas marcher, ils vont s'arrêter en plein milieu, j'aurais pu accéder à mes machines, super quoi. Donc je vais réutiliser SaltSSH. Et c'est là que SaltSSH est vraiment sympa. C'est que du coup, alors... On va définir un fichier roster, etc. salt roster. Voilà, on va supprimer les trucs par défaut. Donc le fichier roster, c'est ce qui dit salt SSH, ce qui est disponible comme minion. Voilà. Donc là, je vais remplir les IP que j'ai récupérées avec les IP que j'ai récupérées tout à l'heure. Je vais mettre comme ça, ça va être mieux. Voilà. Donc, minion 1. Oups. Non, c'est pas ça. Cette fois-ci, je vais y arriver. Voilà. Minion 2. Et mon minion 3. Donc voilà, dans l'absolu, hein, si je m'étais un peu plus foulé hier soir, je l'aurais fait avec un state. Mais bon, j'avais un petit peu, j'étais fatigué. Alors, donc ça c'est défini. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est redémarrer les minions partout. Donc ça va pas être compliqué.
Salt SSH. Ouais, je vais éviter d'emmener le Salt ligne. Voilà. Donc là, Salt SSH, toujours ma clé privée, toujours ma clé SSH pour EC2. Service restart, Salt ligne. Voilà, super. On a redémarré tous nos millions. Donc on n'est pas. Salt SSH permet de jamais se retrouver bloqué en fait, tant qu'on a un accès SSH. Donc bah voilà, là ça marche en fait. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un ping qui sera renvoyé dans Elasticsearch. J'espère que ça marche. Ah, ouais. Bon, ça c'est super, on sait que ça va marcher. Par contre, je vais faire un truc qui ne peut pas marcher. Et comme ça, normalement. Alors, je sais. Tile touch. J'ai fait n'importe quoi là. Je suis pas sûr que ça renvoie une erreur, mais bon, je vais essayer de faire des trucs qui renvoient des erreurs. Hein. Comme ça, on les verra aussi. Bon, là. Voilà, erreur. A priori, ça devrait me renvoyer des erreurs. Donc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au million 1. Alors, pas d'inquiétude, hein, c'est pas ouvert sur internet. C'est ouvert que ici. Donc, l'IP public de mon. Non, c'était sur million 2, je crois d'ailleurs, hein, que j'ai mis Kibana tout à l'heure. Donc, voilà, et Kibana par défaut, le port, allez, 5601, merci. Voilà. J'ai par défaut configuré pour que ce soit dans un index salt. Timestamp, create. On va faire une super visualisation. Voilà. Split splice. On veut un terme. On veut success. Apply. Oh. Et voilà, j'ai la moitié de mes états. Ils sont ah ok. Enfin, KO, j'aime pas trop les couleurs sous Kibana 4. Et la moitié de mes états qui sont à success. C'est pas mal. On va remettre des erreurs quand même. Pour montrer que ça marche vraiment et que c'est pas bidon. Ouais, alors. Là. Ah. J'ai du cache ou quoi? Bon, c'est pas grave. Ah non. Kibana est en train de faire planter Firefox, j'entends ça. Ça fait tourner mon ventilo. Voilà. Donc voilà, ça a marché. Hein. On a bien deux tiers d'échecs et un tiers de réussite. Donc c'est plutôt simple à mettre en place. Et je pense que vous pouvez impressionner les décideurs. Donc voilà, ça marche. Donc est-ce que je suis arrivé à la fin de cette démo? Oui, ensuite ce sera la démo d'orchestration. Donc voilà, les états ça fonctionne, c'est plutôt simple. Et puis les returners, ça fonctionne aussi, et ça je trouve ça carrément cool en fait. Alors, l'orchestration dans Salt, parce que c'est sympa de définir des états, c'est sympa de lancer des commandes, mais on aimerait bien ne pas être devant la machine à appuyer sur le bouton. Et Salt a tout ce qu'il faut pour faire ça. 5 minutes, ok, je trace. C'est le même format que pour les states et les pillars, YAML plus Jinja. Ça permet la gestion des dépendances entre les différentes phases de notre tâche d'orchestration. C'est défini les cibles de manière flexible, donc nom, grains, pillars, enfin la totale. Ça permet de combiner des exécutions et des états. La commande, c'est saltrun state orchestrate, depuis le master. Donc je ferai une rapide démo. On a aussi, dans le cadre de l'orchestration, la saltmine. Donc, on a vu qu'il y avait les grains, mais c'est sympa, mais les autres minions ne peuvent pas les voir. Ça permet, la salt mine, de remonter des informations sur le master, qui sont plus ou moins... On exécute un module d'exécution, il envoie une sortie, on remonte ça sur le master. Ensuite, c'est consommable par l'ensemble des autres minions. Et ça utilise, bah, comme je viens de le dire, les modules d'exécution. Donc, schéma, mine function, network, IP address 0, ETH 0. Donc, c'est eux qui vont envoyer cette info-là dans la mine. Et ensuite, on a, donc c'est des web services, hein, et ensuite on a un HAProxy, le minion va faire un mine-get network IP ADDRs, et puis il va reconfigurer directement la répartition de la charge grâce à la mine salt.
Et tout ça sans que vous vous ayez y touché. Donc c'est assez sympa. Ensuite, il gère tout ça, le fait qu'il faut que tu installes les web serveurs avant. Le fait que tu... Je mettrais plus ça, le fait d'installer d'abord les web serveurs et ensuite le HAProxy. Soit je ferais une tâche d'orchestration pour bootstrapper le truc. Soit j'utiliserais le réacteur. Donc le réacteur permet de déclencher des actions à partir d'events. Donc les minions, excusez-moi, les minions peuvent envoyer des events sur le master. C'est en gros les events, les réactions qui sont dans le réacteur, c'est des tâches d'orchestration. Donc voilà, tout est dit, on va regarder ce que ça donne. Event send, débuter la maintenance depuis un million, donc celui-ci, hein, et bah ça va lancer directement sur le HAProxy, CMDRun, HAProxy, CTL, disable, mon mignon. Et ça sans que vous ayez à y toucher. Et donc on peut imaginer aussi dire, bah, lancer des déploiements avec ça. Donc voilà, c'est assez sympa. Job management, il y a possibilité d'utiliser Salt comme scheduler. Donc tu me lances tel état ou telle tâche d'orchestration toutes les 5 minutes, tous les 6 jours. Bon voilà, ça peut lancer de l'orchestration, mais bon voilà, niveau dépendance, c'est pas encore ça. Enfin, faire les choses dans le bon ordre avec le scheduler, ça se fait, mais il faut tricher un petit peu. Donc une rapide démo d'orchestration, j'ai bientôt fini. Ça va être très rapide. Je vais lancer mon orchestration de démo. Voilà. Je l'ai préparé à l'avance encore. Ça touche un fichier sur un million, ça attend 5 secondes sur un autre, ça touche un fichier sur un troisième million. Voilà, a priori tout s'est bien passé. Le fichier s'appelle TMP Orchestrate. Donc bon, allez. Juste vite fait hein, pour. Où est ma souris? Donc voilà. Un file touch. TMP Orchestrate, 2 CMDRun, ouais, on le voit pas là, et 3 Touch, donc voilà. Et puis on va vérifier directement avec Salt que ça a marché. Donc voilà, sur le million 2, bah, y a rien. Sur le million 1, c'était à 48, sur le million 3, c'était à 53. Donc bon, ça marche. On peut orchestrer les choses. Donc là, j'arrive sur la fin, normalement. Bon, il y a les syndics. Donc ça permet de faire des arborescences de master. Donc en fait, c'est un minion qui est sur un master. Et ça permet d'avoir une continuité sur les bus 0MQ à travers toute une arborescence, en fait. Et ça permet, par exemple, de faire du multi-tenant. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se passe comme ça. C'est un master va chercher ses events depuis un autre et les redistribue et renvoie les retours. Ensuite, on a le proxy, donc c'est un rôle spécifique à un million. Ça permet d'exposer, de taper sur des équipements, genre load balancer, firewall, je sais pas, Arduino, ce que vous voulez. L'authentification, donc il y a moyen d'avoir la délégation d'accès sur le master, avec une granularité sur les cibles, donc tel million ou tel million, tel projet, et les modules appelés, donc le droit d'installer des paquets, mais pas de faire des pings par contre. Il y a plusieurs backends, LDAP, Unix. Donc voilà, c'est assez sympa pour donner l'accès à des gens qui ont moins. Bah voilà, qui sont pas censés pouvoir faire n'importe quoi sur les machines. Les tests, donc dans Salt, pareil, il y a tout l'outillage nécessaire pour faire des tests unitaires sur vos modules et pour faire des tests d'intégration sur vos états, pour être sûr que l'état Tomcat ne pète pas l'état Apache, ce qui est assez sympa. Donc il y a ce qu'il faut dedans. Il y a la Salt API, bah je vais pas avoir le temps de faire la démo je pense. Ouais non. Non. Allez, vas-y. Bon allez, je la fais vite fait. Donc il y a un back-end d'API. Il y a une API par défaut, enfin qui est la plus maintenue, c'est une API REST. Mais le back-end d'API permet aussi de faire des trucs en WebSocket, SOAP, ce que vous voulez. Je ferai la démo tout à la fin. La sécurité, bah voilà, Salt c'est surtout la rapidité et plein de fonctionnalités. Il n'y a pas assez de docs sur la sécurité. Bientôt il y aura un remplaçant de 0MQ qui s'appelle RAET. Avec une implémentation crypto vachement plus carrée. Multi-tenant, c'est possible, mais je conseille un master par client, parce que comme tout le monde peut voir tous les états, vous n'avez pas forcément envie que ça arrive.
attention, activez la signature des messages du master, ce qui n'est pas fait par défaut, c'est chiffré, mais chaque mignon vérifie pas à chaque fois que c'est bien le master qui a envoyé le message, attention, et renseignez le fingerprint de l'athlé du master quand vous faites des déploiements, parce que sinon le mignon se connecte n'importe où. Enfin, potentiellement, hein, faut quand même faire un manuse au middle, mec, quand même. Donc, voilà, bah, la fin... C'est juste pour vous montrer une petite interface et tout, c'est pas forcément la peine, elle est encore en bêta. Bon, allez, comme vous le demandez. Bon, allez. Donc, sur mon master, je vais installer tout ce qu'il faut pour faire l'API. Enfin, pour j'installe l'API sur le master. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Tu nous as montré que des trucs qui marchent, on ne sait pas que la démo. Bah justement, dans l'API, il y a des onglets qui marchent pas. Tu nous foires au moins un truc. D'accord, bon bah, on va essayer de se foirer sur l'API quand même. Tu partiras pas tant que t'as pas foiré un truc. Ok. Bah, je peux foirer tous les serveurs d'un coup avec Sol, sinon. Donc là, j'ai installé l'API, c'était cool. Je restart le master, parce que bon, quand on installe l'API, il faut restarter le master. Ah, c'est pas super, ça. Donc, oui, non, là, je vais faire un truc super moche. Ça va pas. Donc voilà, je vais dans un dossier, là, puis j'exécute un truc à la main, parce que j'ai pas fait de service. C'est pas joli. Presque un échec. Donc, je vais me connecter au master sur le port 5000. Et on va pouvoir constater que l'API, ça fonctionne. Alors, le master... Là, j'utilise l'authentification Unix. Donc, potentiellement, ce que je pourrais faire derrière, là, dépend de ce que j'ai défini comme mode d'accès pour mon utilisateur. En l'occurrence, j'ai tout mis. Ah, oh non. Bon, bah voilà, là, ça tape sur l'API salt. On peut taper directement dans les events du bus 0MQ et aussi injecter des events dedans. Donc, bah voilà, quoi. Il y a 4 mignons. Puis ils ont lancé des jobs. Donc voilà, on peut voir tout ce qui s'est passé et tout. Tout ça avec l'API. Donc ça va, c'est sympa. Par contre, niveau interface, voilà, celle-ci, c'est celle qui est plus en développement pour l'instant, et je crois que, voilà, work in progress. Donc voilà, c'était ma dernière démo et conclusion. Donc, salt, c'est cool. Attention, ça ratisse large, alors faut pas hésiter des fois à faire des modifs et faire des pull requests, mais elles sont souvent acceptées. Mais sinon, je trouve que la base du code a l'air assez clean, et c'est assez simple de rajouter des modules, c'est assez simple de corriger des choses. Voici les crédits pour les images Creative Commons. Et puis si vous avez des questions, c'est à la pause. Voilà. Allez.